Hey! Bonjour. On se trouve pour la suite des vidéos de Dragon Teeth. Hein, je vais pas faire plus explicite. Bon, je viens de me lever, donc commentary bof. Hein. Ah d'accord. Attendez, je vais baisser le son dans mes oreilles. Donc on se trouve sur Marché aux Perles. La map que j'ai fait sur laquelle j'ai fait trois fois une vidéo vu que à chaque fois j'ai dû la recommencer parce que soit il y avait un bug de l'encodage, soit il y avait du commentary qui allait pas bien. Merde. Bon là j'ai des petits frises de début de game, c'est toujours comme ça. Ah ouais, aussi si vous entendez mon ordi souffler, c'est normal, hein, c'est à cause du micro pourri. Non mais, putain. L'autre il a mis sa tête devant moi. Bon, voilà, j'aime pas trop cette map, je vous le dis tout de suite. J'avais expliqué dans la vidéo, mais comme c'est bug d'encodage, et ben en fait c'est que on est vachement renfermé dedans. Et du coup, j'aime pas du tout ça, quoi. C'est vachement étroit, c'est... Je sais pas, on se sent vraiment à l'étroit, je trouve. C'est ça qui me rebute, en fait. J'ai pas l'impression de jouer à du Battlefield. Alors, c'est sûr que... Bien sûr, il faut toutes sortes de maps pour que tout le monde soit content, mais là... j'ai un peu de mal sur celle-là, quoi. Ma souris, elle fait n'importe quoi. Ouais, donc j'ai des petits frises, je vais couper l'enregistrement, je vais le reprendre juste parce que... Comment, comme ça. Voilà. Voilà. Oula. Ouais, je sais pas si ça marche mieux. Je sais pas pourquoi il y a ces frises de temps en temps, c'est pas tout le temps, hein, c'est... de temps en temps, et... Je veux dire, c'est pas sur toutes mes parties, hein, mais j'ai l'impression que c'est que sur cette map. Alors, comment ça, il s'est caché déjà? Eh merde, je me suis fait avoir comme un bleu. Merci, très aimable à toi. Alors, j'arrive pas à bien gérer. Parfois, mon fils qui m'empêche de bouger. Un peu spécial. Alors, au niveau des points, ben, on est plutôt en train de gagner. Je vais voir le point D. Passer par au-dessus. Je vais essayer d'autres flèches à l'heure. Il me tire de. Putain, mais je suis jamais du bon côté, quoi. Ah bah là j'ai fait du bon côté. En fait j'arrive pas à voir d'où viennent les ennemis et tout, c'est super Quoi? Non mais je t'ai tiré dessus mec, putain. Des fois mon arme je clique dessus. Enfin je clique pour qu'elle tire. Il n'y a aucune action. Je vois l'arme bouger mais je sais qu'elle envoie pas de balle. Bâtiment, alors au moins ils ont pas réutilisé de bâtiment pour cette map, si vous voyez ce que je veux dire. C'est fou ça, j'arrive pas à voir où sont mes ennemis. Tiens, au passage, ils ont parlé de l'avenir de Battlefield Hardline. Ils ont dit qu'ils régleraient des points
comme moins d'explosifs, les parties un peu plus longues, tout ça, tout ça. Non mais si c'est le soutien là-bas qui me tire dessus, c'est pas possible quoi. Le mec c'est des snipers. Pourquoi je leur gagne pas ma vie quoi. What? Mais... Ok, les paquets de soins viennent de tomber. Attends. What the fuck? What the fuck? Bon, c'est pas grave. Alors, on va essayer de prendre C ou ouais, allez, ici. Comment tu veux être discret, c'est quoi tout? Allez, j'y vais, je rush, je m'en fous. Merde, y'a pas de... Ok, il doit y avoir un mec sur le toit, il va tout faire péter. Aïe aïe aïe. Oh, bien joué. Il y en a un là. Aïe, je vais mourir moi. Ça va pas du tout ça. Ah mais il y en a là-bas aussi. Ok. Non mais comment t'es arrivé là toi putain? Il y avait deux... J'en ai marre. Oh non. Je joue vraiment mal, hein. C'est fondé là. C'est complètement là. Allez. Pourquoi tu descends quoi? Bien. He's dead. À mon avis, je ferais pas mieux au sniper, hein, vu mon habilité ce matin. Surtout que j'ai même pas fait de partie de chauffe. Donc à moi. Qu'est-ce que ça va? Bah oui, il saute comme ça, oui. Ah bah oui, d'accord, ok, on peut pas faire. Si on peut, c'est nul. Ah, il est drôle, dans cette map. Où tout est à couvert. Hein. Non, j'ai réussi à tomber, moi. Alors, des points intéressants, un peu loin, B. Non, mais bouge pas, putain. Reviens! Ah bah. Voilà. Impossible, ça. En fait, il y a une tension dans cette map, quoi, c'est un truc de dingue. Ouais, il y a une tension, quoi, il faut toujours regarder autour de toi, les ennemis peuvent arriver, ils peuvent arriver de n'importe où, il n'y a aucune logique de placement, quoi. C'est fou. Voilà, je reprends. Là, quand je parle plus, c'est que je suis concentré. Hein. Ok, aïe. D'accord. J'aurais jamais dû aller là-dedans, j'aurais dit. Ouais, mais en même temps, j'ai envie de bouger, quoi, pour vous montrer la map, mais... Le problème, c'est que bouger sur cette map, c'est un peu mourir, quoi. Avec tous les véhicules, les machins comme ça et tout. Alors là, il y a masse d'ennemis. J'ai bien fait de mettre un point ici, moi. C'est pas moi qui ai mis le pas. Non mais non, ce connard! Putain, mais je veux PV sur les gens comme ça, c'est triste.
C'est trop triste. Imaginez-vous le mec en morceaux après, hein. C'est génial ça. Oui. Bon. Totem est mort. Bah t'es là. Non mais. Mais t'es qui viens d'où toi? Putain merci mais. Eh mais vous êtes des ninjas les mecs. Hein. Voilà. Même si je t'ai raté. Putain franchement quoi. Putain mais ma voix elle est trop grave, ça me fait chier quoi. Qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Enfin, ça, je pense que ça rend très très bizarre, ça doit faire une voix très étrange hein, avec le micro par rapport à la réalité. Hein. Go go go. Allez, on va prendre un bordel de merde. Le bordel de merde est important. On est à la guerre ou quoi? Je l'ai mis hors, je sais pas si c'était une bonne idée. Non mais putain, mais je te tire dessus et tu manges pas. Tiens. D'accord. Ok. Le problème. Franchement. Toi tu as des problèmes. Je vais t'aider. Ok. Désolé. Toi. Non mais laissez-moi faire mon truc putain hein. Voilà bah pour la peine je vous mon pack. J'ai ouvert celui-là. Voilà, avec une espèce de peinture, voilà. La plaque sablier. Je vais quand même essayer le M-Track là, une espèce de nouveau truc de combat. Ah mais en fait c'est pas toi qui tire, d'accord. C'est bizarre hein, comme truc, on dirait un machin futuriste en fait. Alors. Putain, je l'avais vu en plus, mais j'étais pas sûr. Non, j'aurais dû rester dedans. Et VIP le bourrin. On l'a vu dans une autre de nos vidéos celui-là. Je m'en rappelle. Quelle vidéo on a vu? Oh putain, y'a. Le mec s'est jeté sous mes roues, il est trop con. Bon, c'est pas grave, hein. Du coup j'en ai eu deux. J'ai eu VIP le bourrin. J'aime ce nom. Ah, je suis sûr, on l'a vu celui-là. C'est marrant ça. Viens par ici, mon jeu. What? Mais vous êtes combien dans la famille là? En tout cas, VIP le bourrin, on l'a déjà eu. Je sais plus où, je sais plus quand, mais on l'a déjà eu. Je pourrais mourir sur ce truc-là. Non, bah non, il y en a aucun qui meurt. Mais tu sais quoi, j'aurais dû lancer un C4 puis tout faire péter, ouais. Cicatriser tout ça. Je joue vraiment mal. Je fais quelques endgames, mais à chaque fois ça tue pas, quoi. C'est triste. Bon, bah on retourne, hein. J'ai fini leur dire ce que j'avais à dire. Voilà, ça déjà. Ma grenade, elle a pas explosé. Bon, au moins j'ai fait deux kills faciles. Merci, la Ergo Impact. Là. Alors. Attendez, le son est trop fort pour moi. Voilà. Où sont les ennemis? Non mais... Arrête de bouger. Allez, par ici, je sens qu'il va y avoir du mob. Pas du mob, du... Sans déconner. Putain, j'ai fait un putain de saut. Peut-être que je joue pas assez avec mon escouade aussi. Je
vais essayer de faire ça. Oula. Je dis ça, mais je suis à 3 points de mon escouade. En même temps, eux non plus, ils jouent pas en escouade. Donc... Non. Je vais quand même essayer de les rejoindre. S'ils font pas un temps sur le n'importe quoi. Voilà. Je m'en fous, j'en ai touché un. Voilà, exactement. Ce serait de l'élimination. Je crois qu'avec ce sniper, j'aurais plus de unscope que de scope. Ouais. C'est un truc de dingue. Aïe, 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 aïe. Et ouais, encore une fois. Putain, il vise vraiment bien, hein, c'est con. Très pas mal. Oula, attends. J'ai peur, toi. Il faut que je tire sur des mecs. Où est-ce qu'ils sont au jeu? Parce que je sens que j'ai encore me faire buter, moi. Go! Non. Fitness qui s'en va, comme ça. C'est vraiment bizarre les véhicules dans Battlefield. Je comprends pas qu'ils puissent pas faire des trucs un peu plus. Quand tu sais qu'ils ont des boîtes qui bossent pour. Quand tu sais qu'ils ont Criterion, ils ont. C'est pas l'autre boîte. Fuck. Ils ont Criterion, Black Box, non, non, Black Box ça n'existe plus. Ah merde, comment il s'appelle le studio qui a fait le dernier Need for Speed? Viscéral peut-être, je sais plus. Ouais, enfin, ils ont quelques studios quoi qui travaillent un peu là-dedans. Ouais. Happy birthday, my friend! Et merde. Putain, mais en fait, c'est du tuage à la chaîne, y'a tout le monde qui se tue entre équipes là. Ça empile les cadavres. C'est dommage que ce soit pas un peu plus open source Battlefield dans le sens où on puisse créer nos modes de jeu et tout. On change des paramètres physiques, des trucs comme ça, par exemple, je sais pas, du ballon ralenti. Je sais pas. C'est des trucs qui me sont venus à l'esprit le jour, discuter avec Darkmoon. Bon, et ben on va peut-être couper ça là, je regarde à combien on en est d'épisodes. Si ça n'avait pas craché. Et je vous dis ce qu'il en est. Et ben ce sera suffisant pour la renaissance de la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sûrement sur une vidéo de Smite. Peut-être. On verra. Donc, à plus.